Paradoxe, 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 paré par qui paradoxe. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paradoxe, paré, paradoxe. Le dernier coup, on a vu le paradoxe du tas, il me semble. Et cette fois-ci, on va voir le paradoxe du rêve. Le paradoxe du rêve, c'est celui-ci. Quand on dort, on fait un rêve. Mais dans ce rêve, il peut arriver qu'on rêve qu'à un moment on dorme. Et que du coup, on rêve d'un autre rêve, dans lequel on fait un autre rêve. Et cela peut être imbriqué un nombre incalculable de fois. Et du coup, ça fait que des fois, il peut arriver que lorsqu'on rêve, pouf, on se réveille du rêve précédent. Et que dans ce rêve, qu'il arrive à l'événement qui fait que pouf, ce soit dans ce rêve-là qu'on se réveille. Et que du coup, à partir d'un moment, c'est même nous-mêmes qui nous réveillons. Mais à part que le souci, c'est que, tout comme à chaque fois que nous nous réveillons d'un rêve, et à chaque fois on pense, ah ben chouette, on est réveillé. Mais des fois, il peut arriver que nous soyons encore dans un plus grand rêve, et ainsi de suite. Par exemple, là, je rêve que je suis réveillé. Mais à part qu'en fin de compte, le paradoxe c'est celui-ci, à partir, on sait tout simplement de savoir si on est vraiment réveillé, ou si on est dans un rêve, voire même dans un rêve d'un rêve. Alors du coup, pour cela, il faut savoir que dans les rêves, alors du coup, en fin de compte, ce qu'il faut voir, c'est, lorsque nous demandons si on rêve, c'est nous poser des questions. Par exemple, est-ce que nos mains sont normales? Par exemple, si on a 6 doigts ou alors un trou au milieu de la main, alors du coup, cela pourrait signifier que nous sommes dans un rêve, car nous n'avons pas des mains normales. Sinon, il y a aussi le fait que des fois nous ne pouvons pas lire dans les rêves, voire même l'heure qui ne fonctionne pas normalement. Par exemple, s'il y a 3 ou 4 aiguilles. Donc voilà, alors du coup, c'est avec des questions que nous ne nous posons pas souvent sur des trucs logiques. Donc autrement dit, il faut voir s'il y a des incohérences pour savoir si on rêve. Voilà, salut! Par exemple, là, tout va bien, je ne rêve pas. Du coup, je me pose ces questions. Allez, ciao! Paradoxe, 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 par et par qui? Paradoxe.